cesser d'être aussi suffisant. Le Seigneur des Ténèbres a déjà échoué, et même s'il ne fait pas, il triomphera cette fois. La guerre est loin d'être finie, surtout que ce satané Potter est encore en liberté. Notre objectif est de dénicher tous les sangs de bourbe et autres vermines. Merci. Vous croyez que c'est aussi simple que ça? Que tout sera terminé? Je n'aurais jamais cru être à nouveau libre un jour. Merci. On a envoyé au moins une centaine de sangs de bourbe au ministère cette semaine. Qui aurait cru qu'il n'y en aurait autant? Merci. Nous allons pouvoir rejoindre un lieu sûr grâce à toi. Merci beaucoup. Faut-il être méprisable comme un sot de bourbe pour penser à se cacher dans une forêt sordide? Merci. Merci beaucoup. Cessez d'être aussi suffisant. Le Seigneur des Ténèbres a déjà échoué. Et même si... Prenez garde. Il nous surveille en permanence. Même si... Nous vivons une époque de... que ça durerait si longtemps. Il devrait comprendre qu'il n'a aucune chance. Merci. De notre part à tous. Il faut partir. Tant que nous n'allons pas dans un endroit qu'on pourrait associer à toi, nous serons tranquilles. Et pour Ron? S'il voulait revenir, il l'aurait déjà fait.
Nous devons partir. La forêt de Dean. Mes parents m'ont emmené camper ici. Il y a longtemps. Installe le campement. Je vais faire une ronde. Non! Reviens! Protego! Qui est-ce qui t'a envoyé? Protego!
reviens. L'épée de Griffon d'Or. Mais t'es dingue! Pourquoi tu l'as gardé sur toi? J'ai bien fait de suivre ton patronus. Pourquoi t'as plongé là-dedans, espèce d'imbécile? L'épée de Gryffondor. Ce n'était pas mon patronus. Celui qui l'a laissé devait vouloir qu'on tombe sur l'épée. Il faut qu'on détruise le médaillon. Fais-le. Quoi? C'est à toi de le faire, Ron. Je le sais. Au moment où il s'ouvre, prends l'épée et détruis-le. À trois. Un, deux, trois. Fais-le, Ron! Détruis-le! Qui es-tu comparé au survivant? Préférez m'avoir, moi, comme fils. Ron, il ment! Tu meurs! Tue-le! Qui es-tu, comparé aux survivants? Frappe-le, Ron, vite! Ah.
Harry Potter. Protego. Frappe-le, Ron, vite! Désolé. Désolé d'être parti. Tu t'es fait pardonner ce soir. En cherchant l'épée, en détruisant leur crux. En y pensant, il n'en reste plus que trois. Après ton départ, Hermione a pleuré. Allons au camp. Elle voudra te voir. Pardon d'être parti. Je voulais pas vraiment le faire. Ce Horcrux m'a joué des tours. J'y étais plus sensible que toi ou Hermione. Thank you.
J'imagine qu'il y a un moment de la mort. La plus partie devait déjà revenir, mais j'avais perdu votre trace. Protégez-vous. Ah!
On peut le faire. Ne t'en fais pas pour la Julia. Elle a été très inquiète à ton sujet. Continue de lui parler de cette petite bille de lumière qui t'a touché en plein cœur. Tu finiras par te pardonner. Harry! Espèce! D'imbécile! Oh. Profond! Aïe! Ronald Weasley! Pendant ton absence, je te signale qu'un serpent géant a bien failli nous tuer à Godric's Hollow. Hermione, arrête! On vient de détruire l'Horcrux. Ce cerf ou cette biche nous a menés à l'épée de Gryffondor. Harry a failli se noyer pour la voir. Ron m'a sauvé la vie. Et nous avons détruit l'Horcrux avec l'épée. Et tu imagines que ça va suffire à te faire pardonner pour t'être volatilisé comme ça? Bon, on a détruit un Horcrux, mais il en reste encore trois à trouver. Bon, j'ai découvert quelque chose. Regardez. Ce symbole n'arrête pas d'apparaître. Ici, dans les contes de Biddle le Barde, sur la tombe à Godric's Hollow. Et au mariage, Xenophilius Lovegood le portait. Xenophilius pourrait en connaître le sens? Les Lovegood vivent par là-bas. C'est pas très loin. Vous pensez vraiment que Xenophilius va nous être utile? Enfin, il est un peu siphonné. J'espère qu'il pourra nous aiguiller. Ce symbole est notre seule et unique piste. Dumbledore voulait sûrement nous transmettre un message. Sinon, pourquoi m'aurait-il légué ce livre?